Bonsoir à toutes et à tous. Nous allons avoir le plaisir de célébrer ensemble la veillée pascale dans une des églises de notre unité pastorale à Velleray-le-Sec. Nous avons décidé de le faire pour que ce samedi soir, vous ayez l'occasion de célébrer le Seigneur comme chaque année. Des circonstances bien particulières, nous le savons, puisque par ce temps de confinement, nous sommes tenus à respecter certaines règles. La liturgie que vous allez suivre sera un peu adaptée, un peu simplifiée pour éviter tout risque de contamination et se déroulera dans un comité, avec un comité très restreint. J'espère que vous passerez avec nous un agréable temps de prière, à méditer la parole de Dieu dans la joie de la résurrection de notre Seigneur. Frères et sœurs, en cette nuit très sainte, où notre Seigneur Jésus-Christ est passé de la mort à la vie, l'Église invite tous ses enfants disséminés de par le monde à se réunir pour veiller et prier. Nous allons donc commémorer ensemble la Pâque du Seigneur en écoutant sa parole et en célébrant ses sacrements. Dans l'espérance d'avoir part à son triomphe sur la mort, et de vivre avec lui pour toujours en Dieu. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, par ton Fils qui est la lumière du monde, tu as donné aux hommes la clarté de ta lumière. Daigne bénir cette flamme qui brille dans la nuit. Accorde-nous durant ces fêtes pascales d'être enflammés d'un si grand désir du ciel que nous puissions parvenir avec un cœur pur au fait de l'éternelle lumière. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Lumière du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Lumière du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Lumière du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Thank you.
Écoutons maintenant d'un cœur paisible la parole de Dieu. Voyons comment, dans les temps passés, Dieu notre Créateur a sauvé son peuple. Et comment, dans ces temps qui sont les derniers, il nous a envoyé son Fils comme Rédempteur. Demandons au Seigneur de conduire jusqu'à son plein achèvement cette œuvre de salut, inaugurée dans le mystère de Pâques. Lecture du livre de la Genèse. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Les ténèbres étaient au-dessus de l'abîme et le souffle de Dieu planait au-dessus des eaux. Dieu dit, que la lumière soit. Et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière des ténèbres. Dieu appela la lumière jour. Il appela les ténèbres nuit. Il y eut un soir. Il y eut un matin, premier jour. Et Dieu dit, qu'il y ait un firmament au milieu des eaux et qu'il sépare les eaux. Dieu fit le firmament, il sépara les eaux qui sont au-dessous du firmament et les eaux qui sont au-dessus. Et ce fut ainsi. Dieu appela le firmament ciel, il y eut un soir, il y eut un matin, deuxième jour. Et Dieu dit, les eaux qui sont au-dessous du ciel, qu'elles se rassemblent en un seul lieu, et que paraisse la terre ferme. Et ce fut ainsi. Dieu appela la terre ferme, terre, et il appela la masse des eaux, mer. Et Dieu vit que cela était bon. Et Dieu dit, que la terre produise l'herbe, la plante qui porte sa semence, et que sur la terre, l'arbre à fruits donne, selon son espèce, le fruit qui porte sa semence. Et ce fut ainsi. La terre produisit l'herbe, la plante qui porte sa semence selon son espèce, et l'arbre qui donne, selon son espèce, le fruit qui porte sa semence. Et Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, troisième jour. Et Dieu dit, qu'il y ait des luminaires au firmament du ciel pour séparer le jour et la nuit, qu'ils servent de signes pour marquer les fêtes, les jours et les années. Et qu'il soit au firmament du ciel des lumières pour éclairer la terre. Et ce fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand pour commander le jour et le plus petit pour commander à la nuit. Il fit aussi des étoiles. Dieu les plaça au firmament du ciel pour éclairer la terre, pour commander au jour et à la nuit, pour séparer la lumière des ténèbres. Et Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, quatrième jour. Et Dieu dit, que les eaux foisonnent d'une profusion d'êtres vivants et que les oiseaux volent au-dessus de la terre, sous le firmament du ciel. Dieu cria selon leur espèce les grands monstres marins, tous les êtres vivants qui vont et viennent et foisonnent dans les eaux. Et aussi, selon leur espèce, tous les oiseaux qui volent. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit par ses paroles. Soyez féconds et multipliez-vous, remplissez les mers, que les oiseaux se multiplient sur la terre. Il y eut un soir, il y eut un matin, cinquième jour. Et Dieu dit, que la terre produise des êtres vivants selon leur espèce. Bestiaux, bestioles et bêtes sauvages selon leur espèce. Et ce fut ainsi. Dieu fit les bêtes sauvages selon leur espèce, les bestiaux selon leur espèce, et toutes les bestioles de la terre selon leur espèce. Et Dieu vit que
que cela était. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il soit le maître des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, des bestiaux, de toutes les bêtes sauvages et de toutes les bestioles qui vont et viennent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. À l'image de Dieu, il le créa, il les créa, hommes et femmes. Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds et multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Soyez les maîtres des poissons de la mer, des oiseaux du ciel et de tous les animaux qui vont et viennent sur la terre. Dieu dit encore, je vous donne toute plante qui porte sa semence sur toute la surface de la terre, et tout arbre dont le fruit porte sa semence. Telle sera votre nourriture. À tous les animaux de la terre, à tous les oiseaux du ciel, à tout ce qui va et vient sur la terre et qui a souffle de vie, je donne comme nourriture toute herbe verte. Et ce fut ainsi, et Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Et voici, cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, sixième jour. Ainsi furent achevés le ciel et la terre, et tout leur déploiement, le septième jour, Dieu avait achevé l'œuvre qu'il avait faite. Il se reposa le septième jour de toute l'œuvre qu'il avait faite. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
sagesse la feu. La terre s'emplit de tes biens. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle. Deuxième lecture, lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit, « Abraham !» Celui-ci répondit, « Me voici. » Dieu dit, « Prends ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac. Va au pays de Moria. Et là, tu l'offriras en holocauste sur la montagne que je t'indiquerai. » Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui deux de ses serviteurs et son fils, Isaac. Il fendit le bois pour l'holocauste et se mit en route vers l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Le troisième jour, Abraham, levant les yeux, vit l'endroit de loin. Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne. Moi et le garçon, nous irons jusque là-bas pour adorer, puis nous reviendrons vers vous. » Abraham prit le bois pour l'holocauste et le chargea sur son fils Isaac. Il prit le feu et le couteau, et tous deux s'en allèrent ensemble. Isaac dit à son père Abraham, « Mon père, eh bien mon fils !» Isaac reprit, « Voilà le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste ?» Abraham répondit, « Dieu saura bien trouver l'agneau pour l'holocauste, mon fils. » Et ils s'en allèrent tous les deux ensemble. Ils arrivèrent à l'endroit que Dieu avait indiqué. Abraham y bâtit l'autel et disposa le bois. Puis il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Abraham étendit la main et saisit le couteau pour immoler son fils. Mais l'ange du Seigneur l'appela du haut du ciel et dit, « Abraham, Abraham !» Il répondit, « Me voici. » L'ange lui dit, ne porte pas la main sur le garçon. Ne lui fais aucun mal. Je sais maintenant que tu crains Dieu. Tu ne m'as pas refusé ton fils unique. Abraham leva les yeux et vit un bélier retenu par les cornes dans un buisson. Il alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Le Seigneur voit. On l'appelle aujourd'hui sur le mont le Seigneur est vu. Du ciel, l'ange du Seigneur appela une seconde fois Abraham. Il déclara, je le jure par moi-même, oracle du Seigneur, parce que tu as fait cela, parce que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te comblerai de bénédictions. Je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable au bord de la mer. Et ta descendance occupera les places fortes de ses ennemis. Puisque tu as écouté ma voix, toutes les nations de la terre
s'adresseront l'une à l'autre la bénédiction par le nom de ta descendance. Parole du Seigneur. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, le Seigneur dit à Moïse : Pourquoi crier vers moi ? Ordonne aux fils d'Israël de se mettre en route. Toi, lève ton bâton, étends le bras sur la mer. Fends-la en deux, et que les fils d'Israël entrent au milieu de la mer à pied sec. Et moi, je ferai en sorte que les Égyptiens s'obstinent. Ils y entreront, derrière eux. Je me glorifierai aux dépens de Pharaon et de toute son armée, de ses chars et de ses guerriers. Les Égyptiens sauront que je suis le Seigneur, quand je me serai glorifié aux dépens de Pharaon, de ses chars et de ses guerriers. L'ange de Dieu qui marchait en avant d'Israël se déplaça et marcha à l'arrière. La colonne de nuée se déplaça depuis l'avant-garde et vint se tenir à l'arrière, entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée est à la fois ténèbres et lumière dans la nuit, si bien que, de toute la nuit, ils ne purent se rencontrer. Moïse étendit le bras sur la mer. Le Seigneur chassa la mer toute la nuit par un fort vent d'est. Il mit la mer à sec et les eaux se fendirent. Les fils d'Israël entrèrent au milieu de la mer à pied sec, les eaux formant une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent. Tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses guerriers entrèrent derrière eux jusqu'au milieu de la mer. Aux dernières heures de la nuit, le Seigneur observa, depuis la colonne de feu et de nuée, l'armée des Égyptiens et il la frappa de panique. Il faussa les roues de leurs chars et ils eurent beaucoup de peine à les conduire. Les Égyptiens s'écrièrent : Fuyons devant Israël. Car c'est le Seigneur qui combat pour eux
contre nous. Le Seigneur dit à Moïse, étends le bras sur la mer, que les eaux reviennent sur les Égyptiens, leurs chars et leurs guerriers. Moïse étendit le bras sur la mer. Au point du jour, la mer reprit sa place. Dans leur fuite, les Égyptiens s'y heurtèrent, et le Seigneur les précipita au milieu de la mer. Les eaux refluèrent et recouvrirent les chars et les guerriers, toute l'armée de Pharaon qui était entrée dans la mer à la poursuite d'Israël. Il n'en resta pas un seul. Mais les fils d'Israël avaient marché à pied sec au milieu de la mer, les eaux formant une muraille à leur droite et à leur gauche. Ce jour-là, le Seigneur sauva Israël de la main de l'Égypte, et Israël vit les Égyptiens morts sur le bord de la mer. Israël, avec quelle main puissante le Seigneur avait agi contre l'Égypte. Le peuple craignit le Seigneur, il mit sa foi dans le Seigneur et dans son serviteur Moïse. Alors Moïse et les fils d'Israël chantèrent ce cantique au Seigneur. Quatrième lecture, lecture du livre du prophète Isaïe. Parole du Seigneur adressée à Jérusalem. Ton époux, c'est celui qui t'a faite. Son nom est le Seigneur de l'univers. Ton rédempteur, c'est le Saint d'Israël. Il s'appelle Dieu de toute la terre. Oui, comme une femme abandonnée, accablée, le Seigneur te rappelle. Est-ce que l'on rejette la femme de sa jeunesse, dit ton Dieu.
Un court instant, je t'avais abandonné, mais dans ma grande tendresse, je te ramènerai. Quand ma colère a débordé, un instant, je t'avais caché ma face. Mais dans mon éternelle fidélité, je te montre ma tendresse, dit le Seigneur ton Rédempteur. Je ferai comme au temps de Noé, quand j'ai juré que les eaux ne submergeraient plus la terre. De même, je jure de ne plus m'irriter contre toi et de ne plus te menacer. Même si les montagnes s'écartaient, si les collines s'ébranlaient, ma fidélité ne s'écarterait pas de toi. Mon alliance de paix ne serait pas ébranlée, dit le Seigneur qui te montre sa tendresse. Jérusalem, malheureuse, battue par la tempête, inconsolée, voici que je vais sertir tes pierres et poser tes fondations sur des saphirs. Je ferai tes créneaux avec des rubis, tes portes en cristal de roche, et toute ton enceinte avec des pierres précieuses. Tes disciples seront tous disciples du Seigneur, et grande sera leur paix. Tu seras établi sur la justice, loin de toi l'oppression. Tu n'auras plus à craindre, loin de toi la terreur. Elle ne t'approchera plus. Parole du Seigneur. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. Vous tous qui avez soif, venez, voici de l'eau.
Même si vous n'avez pas d'argent, venez acheter et consommer. Venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi dépenser votre argent pour ceux qui ne nourrissent pas? Vous fatiguez pour ceux qui ne rassasient pas. Écoutez-moi bien, et vous mangerez de bonnes choses. Vous vous régalerez de viande savoureuse. Prêtez l'oreille, venez à moi. Écoutez et vous vivrez. Je m'engagerai envers vous par une alliance éternelle. Ce sont les bienfaits garantis à David. Lui, j'en ai fait un témoin pour les peuples. Pour les peuples, un guide et un chef. Toi, tu appelleras une nation inconnue de toi. Une nation qui ne te connaît pas accourra vers toi. À cause du Seigneur ton Dieu, à cause du Saint d'Israël, car il fait ta splendeur. Cherchez le Seigneur tant qu'il se laisse trouver. Invoquez-le tant qu'il est proche. Que le méchant abandonne son chemin et l'homme perfide ses pensées. Qu'il revienne vers le Seigneur, qui lui montrera sa miséricorde, vers notre Dieu qui est riche en pardon. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos chemins ne sont pas mes chemins, oracle du Seigneur. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes chemins sont élevés au-dessus de vos chemins, et mes pensées au-dessus de vos pensées. La pluie et la neige qui descendent des cieux n'y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée, et l'avoir fait germer, donnant la semence au semeur et le pain à celui qui doit manger. Ainsi ma parole, qui sort de ma bouche, ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli sa mission. Parole du Seigneur. Sans l'inspiration de ta grâce. Nous te le demandons par Jésus.
le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre du prophète Baruch. Écoute, Israël, les commandements de Dieu. Prête l'oreille pour acquérir la connaissance. Pourquoi donc, Israël, es-tu exilé chez tes ennemis, vieillissant sur une terre étrangère, souillé par le contact des cadavres, inscrit parmi les habitants du séjour des morts? Parce que tu as abandonné la source de sagesse. Si tu avais suivi le chemin de Dieu, tu vivrais dans la paix pour toujours. Apprends où se trouvent et la connaissance, et la force, et l'intelligence, pour savoir en même temps où se trouvent de longues années de vie, la lumière des yeux et la paix. Mais qui donc a découvert la demeure de la sagesse? Qui a pénétré jusqu'à ses trésors? Celui qui sait tout en connaît le chemin. Il l'a découvert par son intelligence. Il a pour toujours aménagé la terre et l'a peuplée de troupeaux. Il lance la lumière et elle prend sa course. Il la rappelle et elle obéit en tremblant. Les étoiles brillent joyeuses à leur poste de veille. Il les appelle et elles répondent. Nous voici. Elles brillent avec joie pour celui qui les a faites. C'est lui qui est notre Dieu. Aucun autre ne lui est comparable. Il a découvert les chemins du savoir et il les a confiés à Jacob, son serviteur, à Israël, son ami. Ainsi, la sagesse est apparue sur la terre, elle a vécu parmi les hommes. Elle est le livre des préceptes de Dieu, la loi qui demeure éternelle. Tous ceux qui l'observent vivront, ceux qui l'abandonneront mourront. Reviens, Jacob, saisis-la de nouveau. À sa lumière, marche vers la splendeur. Ne laisse pas ta gloire à un autre, tes privilèges à un peuple étranger. Heureux sommes-nous, Israël, car ce qui plaît à Dieu, nous le connaissons. Parole du Seigneur. Plus savoureuse que le miel qui
sainteté sous ta protection, ceux que tu purifies dans le nom du baptême. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Septième lecture. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. La parole du Seigneur me fut adressée. Fils d'homme, lorsque les gens d'Israël habitaient leur pays, ils le rendaient impur par leur conduite et leurs actes. Alors j'ai déversé sur eux ma fureur, à cause du sang qu'ils avaient versé dans le pays, à cause des idoles immondes qu'ils avaient rendues impures. Je les ai dispersés parmi les nations. Ils ont été disséminés dans les pays étrangers. Selon leur conduite et leurs actes, je les ai jugés. Dans les nations où ils sont allés, ils ont profané mon saint nom, car on disait « C'est le peuple du Seigneur » et ils sont sortis de son pays. Mais j'ai voulu épargner mon saint nom, que les gens d'Israël avaient profané, dans les nations où ils sont allés. Eh bien, tu diras à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur Dieu. Ce n'est pas pour vous que je vais agir, maison d'Israël, mais c'est pour mon saint nom que vous avez profané dans les nations où vous êtes allés. Je sanctifierai mon grand nom, profané parmi les nations, mon nom que vous avez profané au milieu d'elles. Alors les nations sauront que je suis le Seigneur, oracle du Seigneur Dieu. Quand par vous, je manifesterai ma sainteté à leurs yeux. Je vous prendrai du milieu des nations, je vous rassemblerai de tous les pays, je vous conduirai dans votre terre. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. De toutes vos souillures, de toutes vos idoles, je vous purifierai. Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon esprit, je ferai que vous marchiez selon mes lois, que vous gardiez mes préceptes et leur soyez fidèles. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères, vous serez mon peuple et moi, je serai votre Dieu. Parole du Seigneur. Ouvre nos cœurs
à l'intelligence de ta miséricorde. Ainsi, la conscience des grâces déjà reçues affermira en nous l'espérance des biens à venir. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Chantons tous ensemble la gloire de Dieu. Nous aussi, comme le Christ, qui, par la toute-puissance du Père,
et ressuscité d'entre les morts. Car si nous avons été unis à lui par une mort qui ressemble à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection qui ressemblera à la sienne. Nous le savons, l'homme ancien qui est en nous a été fixé à la croix avec lui, pour que le corps du péché soit réduit à rien, et qu'ainsi nous soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est affranchi du péché. Et si nous sommes passés par la mort avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Nous le savons en effet, ressuscité d'entre les morts, le Christ ne meurt plus. La mort n'a plus le pouvoir sur lui, car lui qui est mort, c'est du péché qu'il est mort une fois pour toutes. Lui qui est vivant, c'est pour Dieu qu'il est vivant. De même, vous aussi, pensez que vous êtes mort au péché, mais vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Puis, vite, allez dire à ses disciples,
Il est ressuscité d'entre les morts. Et voici qu'il vous précède en Galilée. Là, vous le verrez. Voilà ce que j'avais à vous dire. Vite, elles quittèrent le tombeau, remplies à la fois de crainte et d'une grande joie. Et elles coururent porter la nouvelle à ses disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et leur dit « Je vous salue ». Elles s'approchèrent, lui saisirent les pieds et se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit « Soyez sans crainte. Allez annoncer à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Jésus, pendant les quelques années de son ministère public, a accompli bien des merveilles, bien des prodiges. Il a purifié des lépreux, il a rendu la vue à des aveugles et l'ouïe à des sourds, il a remis sur pied des paralytiques, pardonné à bien des pécheurs et même ramené à la vie ici-bas des défunts. Il y a eu de nombreux témoins de toutes ces merveilles. Les quatre évangiles nous en parlent avec détail. Et cependant, nous devons constater que ce qui constitue la merveille des merveilles, le roc vivant sur lequel repose notre foi, la résurrection du Christ, elle, s'est déroulée dans la nuit, dans la discrétion d'une nuit de printemps, sans aucun témoin humain pour nous la raconter, sans aucune description disponible, aucune. Aucun détail ne nous est donné de l'événement en lui-même. Ce que nous pouvons faire alors, c'est relire les révélations de Dieu antérieures à la venue du Christ et qui annoncent la venue du Messie parmi son peuple, la venue de Dieu parmi son peuple, qui annonce la volonté de Dieu de venir lui-même nous purifier, nous illuminer, nous guérir, nous libérer, nous sauver de tout ce qui nous opprime, de tout ce qui nous accable, de tout ce qui nous éloigne de la seule et unique source de vie. C'est la raison pour laquelle nous méditons cette lecture de l'Ancien Testament dans cette nuit bénie de Pâques. Car tout l'Ancien Testament pointe vers le Christ, annonce la venue de Dieu parmi les siens. Et nous sommes également appelés à demeurer fidèles à ce qu'apporte la résurrection du Christ à notre humanité, comme nous le dit saint Paul dans l'Épître aux Romains que nous venons d'entendre. Car si le Christ est mort et ressuscité, ce n'est pas pour que nous demeurions nous-mêmes dans la mort, mais pour que nous vivions de sa vie et que nous en témoignions au monde entier. Car notre foi en Christ ressuscité se base sur le témoignage de centaines de personnes qui, comme Marie-Madeleine et l'autre Marie, ont vu le ressuscité, ont conversé avec le ressuscité, ont même, pour certaines, partagé un repas avec le ressuscité. Il s'agit pour nous d'offrir au monde la connaissance de toutes ces merveilles que le Seigneur accomplit dans chacune de nos vies. Chacun de nous, personnellement, le témoin privilégié. Pour mener à bien cette mission de témoin qui est nôtre, nous ne sommes pas seuls. Le Seigneur nous a donné son esprit qui habite en nos cœurs, qui nous communique ses dons et qui fait grandir en nous les fruits de son action. Mais cela, c'est la suite de l'histoire et nous aurons l'occasion de l'approfondir plus tard dans l'année liturgique.
Frères et sœurs, demandons au Seigneur de bénir cette eau en souvenir de notre baptême. Que Dieu nous garde fidèles à cet esprit que nous avons déjà reçu. Seigneur Dieu Tout-Puissant, écoute les prières de ton peuple qui veille en cette nuit très sainte. Alors que nous célébrons la merveille de notre création et la merveille plus grande encore de notre rédemption, daigne bénir cette eau. Tu l'as créée pour féconder la terre et donner à nos cœurs fraîcheur et pureté. Tu en as fait aussi l'instrument de ta miséricorde. Par elle, tu as libéré ton peuple de la servitude et tu as étanché sa soif dans le désert. Par elle, les prophètes ont annoncé la nouvelle alliance que tu voulais sceller avec les hommes. Par elle, enfin, ô sanctifié, quand Jésus fut baptisé au Jourdain, tu as renouvelé notre nature dans le bain de la nouvelle naissance. Que cette eau, maintenant, nous rappelle notre baptême et nous fasse participer à la joie de nos frères, les baptisés de Pâques. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous allons maintenant proclamer notre foi tous ensemble à la manière baptismale. D'abord, je vais vous poser trois questions pour manifester notre rejet du mal. Et je vous demande de répondre à ces questions. Oui, je le rejette. Pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous le péché? Oui, je le rejette. Pour échapper au pouvoir du péché, rejetez-vous ce qui conduit au mal? Oui, je le rejette. Pour suivre Jésus-Christ, rejetez-vous Satan, qui est l'auteur du péché? Oui, je le rejette. À présent, nous allons tous ensemble affirmer notre foi de nouveau au travers de trois questions auxquelles je vous demande cette fois de répondre par « Nous croyons ». Croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la Passion, a été enseveli, est ressuscité d'entre les morts et qui est assis à la droite du Père? Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Que Dieu Tout-Puissant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a fait renaître par l'eau et l'Esprit Saint, et qui nous a accordé le pardon de tout péché, nous garde encore par sa grâce dans le Christ Jésus notre Seigneur pour la vie éternelle. Amen. Dans la joie de Pâques, nous prions le Seigneur de renouveler nos cœurs par sa vie et par son amour. Pour que vienne ton règne, pour que croisse au milieu de nous le monde nouveau jailli de la résurrection du Christ, Seigneur, nous te prions. Bien-aimée du Christ, qu'elle soit rajeunie par celles et ceux qui, cette nuit, un peu partout de par le monde, sont baptisés et confirmés. Seigneur, nous te prions. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Pour les témoins de la résurrection du Christ, qu'ils vivent dans la joie
et sème la paix autour d'eux. Seigneur, nous te prions. Pour les malades, les mourants, tous ceux qui ont perdu un être cher, et pour tous ceux et celles qui sont aujourd'hui sans espérance, Seigneur, nous te prions. Pour toutes les personnes qui croient à la résurrection du Christ, qu'elle soit source de liberté, de renouveau et d'espérance, Seigneur, nous te prions. Pour nos paroissiens privés de l'Eucharistie pendant ce temps de confinement, qu'ils redécouvrent la grâce de pouvoir communier à ton corps et à ton sang, Seigneur, nous te prions. Toi-même à ton Église et dans ta bonté, daigne les exaucer. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Et on est arrivé à ta renouvelle.
ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Avec ces offrandes, Seigneur, reçois les prières de ton peuple. Fais que le sacrifice inauguré dans le mystère pascal nous procure la guérison éternelle. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. De te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en cette nuit, où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Et reçois-nous parmi tes élus.
Sanctifie pleinement ces offrandes par la puissance de ta bénédiction, rends-la parfaite et digne de toi. Qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes et les yeux levés au ciel vers toi, Dieu son Père tout-puissant, en te rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Par Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est par lui
que tu ne cesses de créer tous ces biens, que tu les bénis, leur donnes la vie, les sanctifies et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes, pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Dans la charité du Christ et en gardant vos distances, donnez-vous la paix.
Prions le Seigneur. Pénètre-nous, Seigneur, de ton esprit de charité, afin que soient unis par ton amour ceux que tu as nourris du sacrement pascal. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Je vais à présent vous donner la bénédiction qui prend évidemment la forme solennelle sous forme d'un triple Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que demeure en vous la grâce de Dieu, la grâce pascale qu'il vous offre aujourd'hui, qu'elle vous protège de l'oubli et du doute. Amen. Déjà renaître, qu'il vous rappelle toujours à cette joie que rien, pas même la mort, ne pourra vous ravir. Amen. Ils sont finis les jours de la Passion. Suivez maintenant les pas du Ressuscité, suivez-le désormais jusqu'à son royaume, où vous posséderez enfin la joie parfaite. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Alléluia.